Aujourd'hui, on entend les petits oiseaux. Oui, j'arrive, Typhon. Eh oh, Typhon, arrête de faire ce bruit. Tu vas démonter ma cabane. Ah, décidément, voilà quelques jours, j'ai eu la surprise de recevoir Pif Paf, la girafe. Et voilà que toi aussi tu atterris ici. Alors là, vraiment. Ok, je comprends. Normalement, tu devais partir avec Pif Paf, mais tu n'as pas pu la rejoindre, car tu t'es trompé de chemin. Ok. Ah oui, tu as rencontré des chasseurs. Ce qui fait que dans ta peur, tu as changé de chemin. Ah, mon pauvre Typhon. Et bien sûr, tu t'es perdu dans la peur. Je vois, la nuit est tombée et puis tu n'as pas pu retrouver ta route. Pourtant, tu avais tout dans ton sac. Et par peur, tu as oublié d'utiliser ce que tu avais dans ton sac. Donc ta boussole, d'accord, ta lampe. Après ce long voyage, une bonne assiette de cacahuètes te ferait du bien. Je ne sais pas s'il me reste, mais on va voir ce que j'ai pour toi. Je vois que tu es toujours dans la joie. Ça, c'est mon Typhon. Oh oui, et toujours aussi gourmand. Allez, un petit peu de sport, dis donc, mon Typhon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah là, il y a des fruits. Ouais, mais c'est pas des bananes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, mais ça me le fait bien quand même. C'est des cerises. Bah oui, mais tu vas avaler les noyaux. Ah non, pas du tout. Bah non, d'abord ça tombe bien, parce que... ils sont pas mûrs, pour l'instant. Attends, faut voir. Ouais, bah dis donc, vraiment, toi, Typhon t'a donné faim ou quoi? Allez, il avait des cacahuètes et moi j'ai faim maintenant. Mais t'as toujours faim. T'as bu ton jus de banane ce matin, ça suffit pas? Ah non, et t'as vu mon ventre? Ah oui, arrête. Bah oui, je l'ai vu ton ventre. Allez, tiens, essaie de croquer, tu vas voir. D'accord, j'y vais, hein. Courage. Oui. Elle est pas mûre. Mais oui, je te l'avais dit. Faut attendre encore quelques semaines. Ah, mon Dédé, t'es incorrigible. Ah, ça c'est vrai. Bon, on va aller se reposer un petit peu. Ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup marché. Non, ça je pense pas. Non, t'es resté agrippé à moi, alors. Non, ne me fais pas ce coup-là. Ah, j'ai failli t'avoir. Oui, c'est vrai. Bon, dis donc, moi je trouve que si Typhon avait été moins distrait, eh bien, il se serait souvenu de ne jamais prendre le chemin de la forêt des baobabs. C'est vrai, c'est l'endroit préféré des chasseurs, même toi tu le sais. Ah oui, ça c'est vrai, je le prends jamais. Voilà, pourtant il était équipé, je veux dire, dans son sac, on était tous les deux. Il y avait tout le nécessaire, t'as mis quoi toi? La boussole? Non, j'ai mis la lampe. Bon bah t'as mis la lampe, j'ai mis la boussole et on a rajouté le plan. Voilà, bah moi je comprends pas. Ah, moi je crois qu'il a eu peur. Oui, bah c'est exact, mais la peur a pris le dessus. Et cela l'a empêché de se rappeler tous les conseils qu'on lui avait donnés. Ah, mais connaissant notre Typhon, nous l'excusons. Ouais, bah, je sais bien, mon Dédé. Moi, je l'aime bien, il est marrant. Bah oui, je sais bien qu'il est marrant. Et surtout, je m'entends bien avec lui, car nous sommes aussi gourmands, tous les deux. Oui, et eh ben ça, je le confirme. Hein. De toute façon, ils sont pareils. L'un, c'est des cacahuètes, l'autre, c'est des bananes. Mais qui ça, l'autre? Bon, et quand même, notre Typhon, il est étourdi. Ouah, mais disons qu'il n'écoute pas toujours, quoi. Il est tellement attentionné sur le désir de manger, surtout quand il y a des cacahuètes, qu'il en oublie tout le reste.
Ah, moi, j'ai pas de problème avec les bananes. Non, toi, pas de problème avec les bananes. Non, mais je rêve. Même ton jus de banane le matin, tu te rends compte? Ah, quoi? C'est digeste. Ouais, bah oui, on va dire ça, quoi. Bref, tu sais, voilà pourquoi il est bon de bien écouter pour mieux agir. Ah, c'est vrai que pour faire moins d'erreurs, il faut écouter ce que les adultes ont à nous transmettre. C'est très, 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 très important. Oui, je suis d'accord. Même peut-être les grands-parents aussi. Oui, les parents, les grands-parents, ils ont sûrement aussi leur expérience. Oui, surtout quand ils connaissent notre Seigneur Jésus. Ah, moi je reconnais bien notre Tiffin. Souvent, je suis pressée de faire des choses et je ne prends pas le temps de demander des conseils. Oui, mais ça je te comprends, tu sais, ne t'inquiète pas Dédé, cela vient progressivement. Moi aussi, je n'écoute pas toujours. Mais heureusement que la Bible, qui est aussi une boussole pour moi, m'aide à prendre la bonne direction. Ah oui, Jésus est notre lumière qui éclaire notre chemin. Oui, mais dis donc Dédé, d'un seul coup je me dis là, tu n'es pas le teint. Je vois que tout doucement tu retiens bien la leçon. Oh oui, mais j'ai encore besoin de toi, tu sais, pour m'aider dans les moments difficiles. Allez. Oh, mon Dédé, t'es trop mignon. Oui, je sais bien, je serai toujours là. Mais aussi pour faire les fous dans les moments de joie. Oui, arrête, Dédé. Oui, tu sais, c'est vrai, nous apprenons à grandir tous les jours. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, tiens. Et nul ne vient au Père que par lui. T'as deviné? Oui, c'est le chant de Jean-Jacques le Prince, notre ami... Jean-Jean! On va la chanter ensemble, hein, les amis? Allez, ensemble! D'accord, on y va. Jésus est le chemin, la vérité de la vie. Nul ne vient au Père que par lui, ta vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui.